le docteur Ibrahim Bokarba de son exposé. Je donne à présent la parole à Madame Marie-Chantal Mfula, conseillère politique et diplomatique de la Communauté des États de l'Afrique centrale, la CAC. Madame Marie-Chantal, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le sous-secrétaire général, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique. Excellence, Mesdames et Messieurs, tout protocole confondu en vos grades et titres. Je voudrais d'emblée vous présenter les regrets de Son Excellence Ahmad Alami, secrétaire général de la Communauté des États de l'Afrique centrale, qui, pour des raisons d'agenda, n'a pas pu prendre personnellement part à ces assises. Il m'a chargé de remercier l'ONU pour l'invitation adressée à la CEAC et pour l'initiative prise d'organiser cette importante réunion sur l'initiative « Faire taire les armes » en marge de cette 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président, malgré les efforts consentis, les avancées enregistrées, l'Afrique demeure confrontée aux crises et aux conflits du fait, entre autres, de nouvelles menaces transversales, des problèmes de gouvernance, les conflits électoraux, de la radicalisation de certaines couches sociales s'estimant lésées et des intérêts divers. Dans cette perspective, l'Union africaine a adopté l'initiative Faire taire les armes comme l'un des projets phares de l'agenda 2063 et de son premier plan décennal. Dans cette perspective, les actions menées par la CAC sont en harmonie avec ce processus global africain, car les objectifs d'intégration sous-régionale et de développement économique définis par le plan d'action de Lagos et le traité d'Abuja instituant la CEA ne peuvent être atteints sans un minimum de stabilité et de paix. C'est à cet égard que la CEAC a adopté des cadres normatifs, des instruments juridiques dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, notamment les pactes de non-agression, les pactes d'assistance mutuelle, le protocole relatif à la création même du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les règlements de la Commission de défense et de sécurité de la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, et du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, MARAC, signé depuis 2002 à Malabo, le protocole de Kinshasa de 2009 sur la stratégie de sécurisation de l'espace maritime de la CEAC dans le golfe de Guinée, l'accord technique de Yaoundé de 2009 sur la sécurisation de la zone D entre le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres qui a été adoptée le 30 avril 2010 à Kinshasa. Elle est également appelée Convention de Kinshasa. À ce titre, dans le domaine de la construction et consolidation de la paix, la CEAC a mené les actions aussi après, sans être exhaustive. Les interventions dans le champ des conflits armés récurrents en Afrique centrale, à l'image de celui en République centrafricaine, où le COPAX a été mis en œuvre à travers la MICOPAX 1 et la MICOPAX 2, et qui ont permis d'éviter à ce pays de tomber dans le chaos avant que l'Union africaine, par la MISCA et la MINUSCA des Nations unies, ne prennent le relais. Dans le domaine de la sécurité maritime, elle a été l'une des premières communautés économiques régionale africaine à se doter d'une stratégie de sécurisation de son espace maritime et elle a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la stratégie de sécurisation des espaces maritimes du golfe de Guinée à l'issue du sommet de la CEAC, de la CDAO et la CGG sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée qui s'est tenu à Yaoundé en juin 2013 en exécution de la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l'ONU et dont Yaoundé abrite le Centre interrégional de coordination. Dans le domaine de la gouvernance sécuritaire, la CEAC est engagée dans un vaste plan de lutte contre la prolifération et l'accumulation des déstabilisants des armes légères et de petits calibres sur la base de la Convention de Kinshasa y afférente.
Par ailleurs, nous supposons, la CEAC espère que l'entrée en vigueur de cette convention et la création des commissions nationales de lutte contre les armes légères permettront de juguler cette menace. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la CEAC s'est engagée dans un programme mis en place par la CBLT pour apporter un appui aux deux États de la région, de la sous-région, le Tchad et le Cameroun notamment, qui sont confrontés à cette guerre asymétrique contre ce groupe terroriste et qui paye un lourd tribut dans cette guerre impliquant des fonds initialement destinés à leur développement économique. Toutefois, cette action de solidarité a malheureusement été freinée par la récession économique actuelle. Les décisions prises au sommet de Yaoundé du 16 février 2015 n'ont pas été atteintes totalement. Mais un sommet conjoint CEAC-CDAO sur la lutte contre Boko Haram est prévu très prochainement à Malabo en vue de mutualiser les moyens de cette lutte contre Boko Haram et d'adopter une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme. Parallèlement à l'opérationnalisation du COPAX, la CEAC travaille également sur d'autres politiques et thématiques transversales visant la prévention structurelle des conflits et la promotion de la paix. Il en est ainsi de l'action électorale à travers l'appui aux États membres engagés dans les processus électoraux dans un contexte africain où les élections constituent l'une des principales sources de conflits. La promotion de la bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité à travers la réforme des secteurs de sécurité, la mise en œuvre des programmes frontières de la CEAC en harmonie avec celui de l'Union africaine, la lutte contre la traite des personnes, la promotion des droits de l'homme, la coopération dans le domaine des renseignements. Ainsi, Monsieur le Président, l'atteinte de l'objectif d'une Afrique exempte de conflits nécessite la prévention de ces conflits avec le renforcement de la coopération institutionnelle entre l'ONU, l'UA, les CER, de même que la consolidation de la paix, le relèvement après les conflits, le respect des droits de l'homme, les questions humanitaires, l'état de droit, l'appui à la réforme du secteur sécurité, le désarmement, démobilisation, la réinsertion, réinstallation, le renforcement des capacités en matière d'alerte rapide, d'analyse des conflits, de dialogue, de médiation, de même que l'entraide judiciaire contre les trafiquants d'armes et la coopération dans la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. Et puisque l'Afrique est devenue de plus en plus un centre de terrorisme, il est nécessaire qu'elle se dote d'un programme de sécurité cohérent adapté aux guerres asymétriques ou hybrides afin de venir à bout du problème que constitue le terrorisme. Un accent particulier devrait également être mis sur la lutte contre le chômage des jeunes et la précarité de certaines couches sociales pouvant dégénérer vers une radicalisation des positions source de crise. Nous comptons également sur la communauté internationale pour lutter contre les flux financiers illicites qui entraînent donc la corruption également, la fraude fiscale. Enfin, la CEAC, l'ONU qui remercie les partenaires pour leur soutien multiforme, souhaiterait que soit apporté un appui considérable dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aux plans régionaux de lutte contre cette menace axée sur les personnes, y compris l'aide aux victimes. Par ailleurs, il est indispensable d'opérationnaliser les mécanismes existants de lutte contre l'insécurité maritime, car l'absence de la criminalité organisée, les multiples trafics influent directement sur la stabilité politique, la paix et le développement. Et dans ce cadre, il est important de renforcer les capacités des structures portuaires et nous comptons donc sur les contributions des différents opérateurs de la mer qui utilisent les eaux du golfe de Guinée, les compagnies commerciales, les compagnies de pêche et ou pétrolières. Et nous comptons également sur la coopération avec l'ONU
mieux renforcés pour lutter contre Boko Haram et apporter un appui aux pays de la sous-région qui déploient des efforts énormes, de même que pour la résolution des crises en RCA au Burundi, à l'est de la République démocratique du Congo. En guise de conclusion, au nom de la CEAC, je voudrais indiquer que le partenariat ONU-UA, associé à une bonne mobilisation des divers partenaires et des acteurs non étatiques, pourrait permettre à l'Afrique de réaliser l'objectif de faire taire les armes en vue de se concentrer sur le développement du continent. Cela suppose un engagement politique fort, une détermination des pays africains eux-mêmes, l'Union africaine, des communautés économiques régionales, un esprit de solidarité accru, tel que réaffirmé dans l'agenda 2030, sur les objectifs du développement durable adoptés au cours de cette 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.